Je Ça peux dire que serait c'est un match une important. chance Je ne sais pas incroyable. si c'est voilà la dernière chance Sept qu'on a. Eux, ils sont points, à 7 oui, points on a pris d'avance par rapport à nous. Donc évidemment qu'il y a beaucoup c'est en jeu. une chance Mais je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, c'est vraiment une incroyable. semaine fondamentale pour notre parcours. Si demain on Tant affronte ce match voilà Pisa, contre Brest que le match si on contre bat Shakhtar, Pisa, puisque c'est un c'est match à incroyable. élimination. On est Donc au-dessus de voilà, Pisa. je sais pas si c'est la dernière chance, mais évidemment voilà, c'est un match C'est la important et on peut dernière pas chance. se permettre de rater encore, sinon ça remettrait un peu en question et en difficulté notre parcours. Depuis mon arrivée, honnêtement, rien n'a changé. Moi, j'y crois encore plus. J'ai encore plus d'envie, de hargne, honnêtement, parce que quand on voit les performances, les prestations, il n'y a aucune équipe qui nous a vraiment écrasés. Donc, j'ai vraiment pas l'envie que le message passe comme si on avait baissé les bras, que les joueurs ou moi avions baissé les bras. C'est pas du tout ça. Après, c'est sûr que quand on voit le match contre Strasbourg, on prend un but à la 94e minute. Après, 5 jours après, on a la possibilité de marquer à la 94e et ça rentre pas. C'est sûr que c'est frustrant. Mais moi, je suis avec l'équipe. Voilà, je sais qu'il y a une, je dis qu'il y a une difficulté en ce moment au niveau mental, mais parce que c'est un fait. Je pense que voilà, c'est quelque chose d'assez clair. Mais tant le staff que moi-même, on croit toujours en l'équipe. Même encore plus, on a encore plus d'envie. Et c'est vrai que la saison, pour l'instant, est dans un mauvais moment. C'est difficile, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'enjeux. Et donc, c'est pour ça qu'absolument, on y croit et on ne lâche rien. C'est normal, que je crois et qu'on croit encore, en tous nos objectifs, sinon ça n'aurait pas de sens d'être ici. Encore une fois, c'est vrai qu'il y avait de l'amertume, beaucoup d'amertume après le match. Après, je l'ai déjà dit, je ne suis pas psy ou coach mental et je pense que mes mots ont peut-être été mal retranscrit. Je dis ça parce que moi, ce que j'ai dit, c'est que je n'avais pas la clé à l'heure actuelle, parce que ça fait longtemps que voilà, la situation est comme ça. Moi, à mon époque, quand je marquais, ça me boostait, ça me donnait de l'énergie en plus, et j'ai l'impression que nous, c'est l'inverse, qu'on a peur et qu'on encaisse toujours des buts. Mais les objectifs sont atteignables. Voilà, cette semaine, c'est vraiment une semaine fondamentale. On a le match de demain qui est très important. Jeudi, on joue la qualification. Donc, évidemment qu'on est prêt. Et moi, je suis voilà, toujours au taquet. Je suis née à 7 mois. J'étais prématurée parce que j'avais déjà hâte de naître et hâte d'être prêt. Voilà, je pense que cette équipe, avec ses qualités et ses défauts, a encore la possibilité de lutter pour tous les objectifs.